Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vais répondre à une question et c'est la question d'Eliette. C'est elle qui m'a posé cette question. Alors, je lis la question. Cet exercice est super. Je veux me tenir. Elle parle de l'exercice qu'on a fait hier. Et il y a quelque temps que je vous avais demandé s'il y avait des solutions pour renforcer les gencives qui se retachent. Qui se retracte, pardon. Je me permets de renouveler ma demande. Votre disponibilité m'encourage à le faire. Merci pour tout. Alors, Eliette, merci beaucoup que vous avez renouvelé votre question. Les filles, je vous encourage bien sûr de renouveler les questions si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Parce que, vous savez, moi, j'ai un travail comme vous aussi. J'ai les enfants, j'ai le travail. Et alors, ce que je fais sur YouTube, c'est quand j'ai un peu du temps. J'essaie de faire chaque jour une vidéo et de répondre, un jour par semaine, de répondre à vos questions. Mais il y a des jours quand je perds les questions, après, c'est trop tard et je n'arrive pas à vous répondre. Et pour ça, si vous renouvelez les questions, je suis très contente. Et comme ça, Eliette, aujourd'hui, va avoir... ma réponse. En fait, avec cette occasion, je vais vous montrer un autre exercice pour la zone de la bouche. En fait, vous savez, le muscle qu'il faut autour de la bouche, c'est un muscle très important et c'est lié à tout, avec tous les muscles de notre visage. Et beaucoup de fois, par exemple, les rides nasolabiales, on travaille beaucoup, on n'a pas de résultats parce que voilà, il y a deux muscles très importants, deux catégories des muscles très importants sur le visage. C'est les muscles de la mastication qui sont les muscles qui sont les premiers qui attrapent le stress. Et à chaque fois qu'on est stressé, on contracte les mâchoires, on contracte ce muscle-là et on peut avoir des difficultés à travailler les yeux et à travailler la bouche à cause des deux muscles qui sont contractés. Et aussi le muscle rond, le muscle qui fait tour de la bouche, il est lié à des autres muscles qui aussi, vous savez qu'avec l'âge, notre visage et la bouche surtout, il rentre à l'intérieur, les lèvres deviennent plus petites et la bouche rentre à l'intérieur. Et voilà, pour les gencives, en fait, cet exercice que je veux vous montrer aujourd'hui, dans la médecine populaire chinoise, il est très populaire parce qu'on va travailler avec les points biologiquement actifs qui sont situés dans cette partie de notre bouche. Okay? Et en fait, l'exercice, il est... Comment dire, il fait partie de l'exercice supérieur qui ont fait des exercices très intenses, des exercices difficiles. Pour ça, je vous avais montré déjà des autres exercices. Regardez, Eliette, je ne sais pas à quel niveau vous êtes avec cette technique que je vous montre. Si vous êtes, si vous faites ça, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, cette technique d'aujourd'hui, il faut le faire très, très doucement. Si vous avez déjà des problèmes des dents, parce qu'avec cet exercice, où on va amener le sang, le flux sanguin vers les gencives et vers les tissus dentaires. Et c'est un prophylaxie pour la maladie, comment on dit en français, parodontisme, je ne sais pas comment, c'est la maladie dans laquelle les gencives se détachent du dent et c'est une inflammation, une infection dans la bouche. C'est une prévention pour cette maladie. Si vous avez déjà des problèmes dentaires importants, d'abord parlez avec le médecin, okay? Avec votre dentiste, s'il vous permet de faire ce massage sur les gencives. Okay? Et voilà, je voulais dire que j'ai fait, regardez sur la playlist, il y a la thérapie par exemple de Joseph Corvo. Vous allez trouver dans la playlist une série de vidéos. Et là, on active aussi des points très actifs autour de la bouche pour travailler aussi et renforcer les gencives. Et aussi, dans la série qui ont fait, dans la série, comment s'appelle cette série sur la playlist? Je vais la mettre en bas parce que j'ai oublié comment ça s'appelle. Peut-être...
travailler la ligne sous-maxillaire. Alors, je pense que la ligne sous-maxillaire, là, améliorer, modeler la ligne sous-maxillaire, peut-être comme ça qu'il s'appelle sur la playlist. Il y a aussi quelques exercices plus faciles. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice difficile à faire, mais très, très profond. Regardez, vous placez les coudes sur la table, ok? Pourquoi? N'oubliez pas, notre zone sacrée, c'est les cervicales. Il ne faut jamais contracter les cervicales. Vous amenez un peu le menton vers la poitrine. Avec cet exercice, vous allez améliorer aussi la zone des rides nasolabiales, ok? Et vous placez les doigts comme ça, ok? Et vous placez, regardez, les coudes sur la table. Et avec les doigts comme ça, vous les placez, voilà, ici, au centre, en dessous du nez, sur la lèvre, sur la partie, sur la bouche ici, sur la lèvre supérieure, ok? On les place. On pose les coudes sur la table. On va relâcher la tête un peu vers l'avant. Et dans cette posture, on va laisser le temps que les doigts, que cette partie de la phalange va rentrer profondément et vous allez sentir les gencives. Qu'est-ce qu'on va faire après? Après qu'on a senti vraiment l'os avec les gencives, avec cette partie du doigt, on va faire un pré-étirement. Je ne sais pas si on dit pré-étirement. Ça veut dire on étire, mais pas trop fort. C'est que comme on commence, on prouve à étirer un tout petit peu et on doit se éloigner pendant 2 cm, 2 cm du centre ici. Et on s'arrête. Maintenant, je vous parle, après je vais vous le montrer. Et on s'arrête en activant, là on va toucher vraiment les points très importants et des points très douloureux. Si vous voyez que ça fait vraiment très mal, là vous diminuez l'intensité et restez 10 secondes, ok? On reste pendant 10 secondes en activant les points biologiques très très importants. Et c'est parti, regardez, je vous montre, je vais placer les coudes sur la table. Et je laisse un peu la tête vers l'avant. J'attends quelques secondes que les doigts vont rentrer. Ici, vous allez voir que les rides nasolabiales, ce pli nasolabial, il va se renforcer un tout petit peu plus. Ce n'est pas grave, vous ne regardez pas ça. Okay? On rentre, ça veut dire que vous rentrez bien. Voilà, maintenant je sens mes doigts qui sont bien rentrés. Je sens les gencives. Et je fais un pré-étirement sur les deux côtés. C'est ça que vous voulez faire. Hop, voilà, c'est ça. Hop, cet étirement, ok? Et pendant 2 cm, maximum 3 cm, vous avez tiré sur les deux côtés. Vous voyez, ça ne se voit pas beaucoup parce que, voilà, 2-3 cm comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous devez sentir? Et vous restez dans cette posture, vous restez pendant 10 secondes. Okay? Qu'est-ce que vous devez sentir? Dans cet endroit-là, ici, 2 cm sur un côté et 1 cm 2 sur l'autre côté, vous devez sentir à l'intérieur comme un élastique que vous le gardez tiré. Oui, j'ai un élastique ici. Regardez. Imaginons que là, c'est le muscle. Oui? Qu'est-ce que je fais? Avec les doigts comme ça, je vais faire un petit étirement et je reste ici. Vous voyez? Les doigts où sont, voilà, c'est vraiment les points biologiques actifs qui sont très intenses et je reste en appuyant pendant 10 secondes. Et après, tout doucement, je relâche, j'appuie un tout petit peu, je relâche. Qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat? Comme résultat, la première chose, vous travaillez les gencives très intenses. Vous amenez le flux sanguin. Deuxième chose, vous allez éliminer les rides verticaux. Et la troisième chose, vous allez gonfler un tout petit peu. Vous avez donné un volume à votre lèvre. Et la quatrième chose, vous allez diminuer les rides nasolabiales. Vous avez cet exercice, c'est très important. Et la même chose, on va faire avec la lèvre en bas. On pose ici, ça va se voir plus facile. Regardez. Je pose les doigts comme ça et après je fais ça, ça, ok? Regardez, je laisse la tête, quelques secondes, 5-10 secondes maximum. Les doigts sont bien rentrés, je fais un pré-étirement. Voilà, je sens maintenant l'élastique à l'intérieur et je reste ici. 10 secondes, 15 maximum et après je relâche et je fais comme ça. Vous avez compris que 2 cm du centre ici. On ne va pas aller jusqu'au l'angle de la bouche. Cet exercice, vous le faites 2-3 fois ici et 2-3 fois ici. Matin et soir, c'est tout.
Pas plus. Si vous avez des douleurs, il faut, ça veut dire que 2-3 secondes, 2-3 minutes pour vous, c'est trop, ok? Pour ça, vous faites 1 minute le matin, 1 minute le soir. Il y a des personnes qui ont vraiment le muscle qui fait tour de la bouche, qui est tellement contracté, que vous allez même pouvoir appuyer un tout petit peu, ça va faire trop mal. S'il y a des personnes comme ça, alors vous faites avec une intensité très, très, très douce. Vous appuyez pas trop, ok? Et petit à petit, vous allez ajouter d'intensité pour aller travailler maximum, ok? Les personnes qui ont problème des dents, d'abord, il faut parler avec votre médecin. Voilà, c'est un exercice extraordinaire, c'est un exercice important que vous la trouvez dans la médecine chinoise et que je vous le conseille à vous, Eliette, à toi aussi, pour renforcer les gencives et pour donner à votre bouche, comment dire, une forme correcte, sans rides et tout le temps avec le sourire vers le haut. On se voit demain. Ciao et bon dimanche. Ciao.